En fait, on a reçu forcément beaucoup de questions. Ouais. Tu les écoutes et tu vas pouvoir y répondre. Allez, c'est parti. Oui, salut Thomas. Alors ma question, elle concerne le conflit israélo-palestinien. Je voulais savoir quel camp tu soutenais. Voilà, salut. Ouais. C'est une petite surprise. C'est une petite... Allez, next. Alors, tu connais mieux que personne la terre vue du ciel. T'es prêt? Ouais, c'est parti. C'est parti. Ça, c'est... Est-ce que c'est l'embouchure de la Méditerranée? Ouais, c'est l'Amazone. Non, ça ressemble pas du tout à ça. Ça ressemble pas du tout à ça. Ouais. Oh, la honte. C'est difficile, ouais. Allez, next. Alors, je te propose que tu me dises ce qu'on peut prendre à bord de l'ISS. Ça. Alors ça, oui, parce que ça... Oui. Ça... Préservatif. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a des choses qui nous attendent là-haut. Il y a des choses qui sont standards et qu'on n'a pas besoin d'emmener nous-mêmes. Donc ça, il y a ce qu'il faut à bord de la station. Mais ça veut dire qu'on peut emmener, en plus du standard qui, encore une fois, nous attend déjà là-haut. Tu vois, chacun a ses petits trucs qui leur rappellent, je ne sais pas, quelque chose d'autre. Et toi, c'est à la fraise. Ouais. Ton sac est prêt? Il faudra un tout petit peu plus que ça, mais bon, on va s'en occuper avec les agences. Ça. Ouais, je prends. Mais lui, il est déjà là-haut parce qu'il avait tout compris avant les autres. Alors on lit plutôt sur tablette, t'imagines, parce que si on s'emmène ça à chaque fois dans l'espace, mais on emmène. Si tu retournes, tu iras mettre... Non, écoute... Sur la Lune, qui sait, pourquoi pas. Je sais pas. Bibliothèque comme ça sur la Lune, où tu viens déposer, reprendre un livre. C'est pas encore prévu à... C'est pas encore tellement prévu, ouais. Mais... C'est quand même intéressant à voir. Merci. Merci beaucoup.